Alain, je te remercie d'être là avec moi aujourd'hui pour cette interview. Je t'en prie. Donc, c'est dans le cadre de notre commission Entre Champs, la commission, une des commissions de notre école de psychanalyse, l'école de psychanalyse des forums du Champ Lacanien, que je me suis permise de t'inviter et de prendre un peu de ton temps. Alors, tu as accepté cet entretien, je te remercie, qui nous donne l'occasion à nous, les psys, entre guillemets, de mieux connaître tes thèses relatives à nos sociétés contemporaines, une société que je dirais de l'individu, même si je ne sais pas si tu es d'accord avec cette formule, une société de l'individu. Individualisme, on y reviendra. D'accord. Ouais. Au sein de laquelle la santé mentale a une place importante au sein de cette société, voire centrale, et dans laquelle l'autonomie est une condition de cet individu. Alors ces trois termes, individu, autonomie, santé mentale, disent quelque chose de notre époque, ils sont liés entre eux. Ils forment comme un langage, un dialecte qui parle de notre actualité, de notre monde contemporain, et qui tente de traduire notre fonctionnement social, de définir nos représentations, un vocabulaire finalement qui décrit les formes de vie permises et prescrites aujourd'hui. Alors, tu es sociologue, tu es un sociologue connu, directeur de recherche émérite au CNRS. Tu as publié de nombreux ouvrages, j'en ai mis quelques-uns ici, derrière nous, qui ont été traduits dans de nombreuses langues, dont certains titres sont maintenant célèbres. Hein. Le culte de la performance, qui est là, la fatigue d'être soi, la société du malaise, et le dernier, la mécanique des passions. Ma première question porte sur ce syntagme santé mentale. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il est apparu finalement relativement récemment, c'est pas un syntagme de tout temps, et à quoi il doit son succès? Pourquoi on l'utilise autant dans le langage? Il est maintenant passé dans la langue courante, mais aussi, il n'est pas seulement dans la langue courante, il est aussi important dans les institutions, dans les politiques publiques, et plus largement, finalement, dans notre culture contemporaine. Alors, comment tu expliques et son apparition et son succès? Enfin, partons de la psychiatrie. La psychiatrie est une spécialité médicale qui s'occupe de la maladie mentale. Je dirais, c'est un idiome local. La santé mentale, les problèmes de santé mentale, la souffrance psychique qui lui est totalement connectée, comme tu viens de le dire, ça traverse toute la société, toutes les institutions, particulièrement l'école pour l'enfance et l'entreprise et le monde du travail pour les adultes. Oui, et ça fait l'objet de, à la fois, je dirais, ça va ensemble, c'est-à-dire ça va à la fois rentrer dans notre langage commun, et ça fait l'objet de tout un travail institutionnel et politique, c'est-à-dire c'est devenu un problème de santé publique de premier plan, disons en France, depuis 20 à 30 ans, plutôt aux États-Unis, et la crise du Covid l'a encore rappelé en mettant ces questions de santé mentale au premier plan. Ce que je dirais, si elles sont devenues, c'est évidemment multifactoriel. Par exemple, la découverte des médicaments psychotropes neuroleptiques, mais surtout anxiolytiques et antidépresseurs dans les années 50, ça a joué un rôle. Mais plus largement, ça permet la santé mentale, qu'est-ce qui concerne un certain nombre de tensions morales qui sont inhérentes aux sociétés d'individualisme de masse qui sont imprégnées des idées, valeurs, normes de l'autonomie individuelle. Idées, valeurs, normes, c'est ce que Durkheim appelle des représentations collectives. Et donc, ça, Idées, valeurs, normes. Qui s'entremêlent. C'est-à-dire qu'il y a un aspect cognitif, les idées, et un aspect des valeurs, un aspect inspiration collective, et normes, c'est un aspect de contraintes sociales. Mon idée, c'est que l'individualisme caractérise la modernité et la société devient véritablement individualiste. Donc, à partir, si on sert l'Europe, les États-Unis sont différents, on devient individualiste qu'à partir de l'après-guerre et de l'entrée, disons, dans une civilisation du
du bien-être. Et donc ça crée toute une série de tensions qui s'expriment dans ces termes et qui sont prises en charge par toutes sortes de pratiques. Oui, oui, je t'en prie. Donc en fait, c'est quand même l'idée que la santé mentale, ça déborde largement la psychiatrie. Ce n'est pas la maladie mentale qui est l'objet de la psychiatrie. La santé mentale, ça concerne l'individu moderne, en fait. Oui, c'est une caractéristique des membres de notre société, tout à fait. Oui. Alors, ça ne veut pas dire que la dépression n'existait pas auparavant. Alors, oui. Bien sûr, mais c'est devenu un souci public, un souci commun relativement récemment. Alors, dans ce prolongement, dans le prolongement de ce questionnement sur la santé mentale, sur ce syntagme, il me semble, et tu me diras ce que tu en penses, qu'il existe un malentendu qui porte sur tes thèses. Dans ton ouvrage « La fatigue d'être soi », qui est derrière moi, là, il a été lu, je crois, interprété parfois par certains, comme démontrant qu'une société individualiste augmentait les risques de dépression dont tu viens de parler. Est-ce que j'ai tort quand je parle de malentendu à ce propos ? Non, parce que, enfin, il faudrait faire une distinction entre l'idée que la société cause des dépressions, quels que soient les mécanismes divers, complexes, qu'on mette ce mot cause, ce qu'il faut, et l'idée de contexte. Mm-hmm. On a un contexte qui a été favorable au développement d'une entité qu'on appelle la dépression et qui était, disons, la pathologie qui a accompagné la généralisation du souci pour les troubles de santé mentale. Alors, il y a une histoire de la dépression, parce que la dépression, dans les années 20, 30, 40, c'est pour la psychanalyse un syndrome dans une névrose. Mm-hmm. Pour la psychiatrie, s'y intéresse pas beaucoup. En France, il n'y a absolument aucun intérêt pour cela. Et on assiste à, dans les années 60 et surtout 70, les épidémiologistes constatent que c'est la pathologie mentale la plus répandue au monde et que les choses iront en s'aggravant. Du côté de la psychanalyse, il se passe aussi des déplacements qui nous donnent des indications sur la dimension sociale de cette pathologie. À savoir que les psychanalystes notent de plus en plus de dépressions sur leur divan, mais des dépressions qui ne sont pas des syndromes de névrose, mais plutôt de pathologies narcissiques et d'état limite. Et où c'est pas tellement le surmoi qui est en cause, le conflit entre le moi et le surmoi, mais plutôt l'idéal du moi. Mmh. Et en gros, ce que j'ai essayé de dire dans cet ouvrage, c'est que la façon dont on envisageait la dépression dans le continent névrotique, on était dans une société où, disons, de très faible mobilité, de séparation de classe, etc., etc. On peut rentrer dans les détails, mais une société au fond où la question qui se pose pour chacun, c'était que m'est-il permis de faire ? Oui. Et dans le contexte de la société des années 60-70, d'émancipation, d'ascension de valeurs, de liberté de choix, etc., etc., la question qui se pose devient un peu différente, c'est que je suis capable de faire. C'est de cette manière la question de l'idéal du moi qui invite à l'action. Et on rentre progressivement, d'ailleurs, dans une société qui est une société du pouvoir d'agir. Donc voilà, il y a un déplacement de ce qui s'investit comme arrière-plan social, c'est-à-dire aussi de représentation collective, dans la pathologie, dans ce déplacement qui est repéré par les psychanalystes et qui donne des indications aux sociologues. Est-ce qu'on peut dire alors qu'on passe d'un homme, disons, un homme empêché à un homme plutôt capable ou incapable? Oui, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire on passe plutôt de pathologie de l'interdiction, oui, en même temps où le surmoi est protecteur, à des pathologies qui sont plutôt liées à l'obligation sociale de devenir soi-même. Donc c'est la difficulté de cette pathologie qui conditionne les symptômes et la souffrance psychique. Ce sont aujourd'hui de bonnes raisons de souffrir. Mm-hmm.
Alors, ma deuxième... C'est-à-dire, on est vraiment rentré dans une culture du malheur intime, qui est une nouvelle culture de la souffrance psychique par rapport à ce qui se passait, disons, dans la première moitié du 19e siècle. Bon, je commence avec Freud à la fin du 19e siècle à Vienne, mais aussi aux États-Unis avec le problème de la neurasthénie, etc. Ça, on a tout un mouvement, Pierre Janet en France, etc., etc., autour de la naissance des psychothérapies, disons. Mm-hmm. Alors, ma deuxième question interroge la notion d'individu. Tu sais sans doute que ce n'est pas une notion qu'on utilise beaucoup dans notre champ psychanalytique. On lui préfère le terme de sujet. Et on entend le sujet en tant que sujet du langage, sujet de la chaîne langagière. Et on utilise aussi le terme de personne, alors au sens où, à ce sujet langagier, on lui adjoint un corps. Donc, une personne, c'est un sujet et un corps qui le représentent. Alors, c'est quoi l'individu pour la sociologie? Et en quoi ça se distingue de cette... Tout d'abord, je peux dire un mot sur la notion de personne. C'est-à-dire, le problème, en tout cas en psychanalyse, du moins pour un certain nombre de psychanalystes qui l'expriment comme ça, c'est de parler du sujet avec un « je » majuscule qui isole le « je ». Or, la notion de personne, c'est une notion relationnelle. C'est le système du problème. C'est-à-dire « je » ne prend sens, c'est-à-dire la personne qui parle, ne prend sens que par rapport au « tu », la personne à qui s'adresse, au « il », la personne dont on parle, ou le « monde », etc., etc. Et donc là, on en fait un substantif isolé, mais qui renvoie finalement à des représentations individualistes du monde et qui s'appuie sur elle. Alors, individu, moi je pense que il y a une grande confusion qui est déjà remarquée par Durkheim à la fin des années 1890, c'est une confusion entre individu et individualisme. Mm-hmm. On peut dire que des individus, il y en a dans toute société, y compris dans les sociétés hiérarchiques, puisque chacun doit trouver sa place de particulier dans la société, y compris dans les sociétés hiérarchiques traditionnelles, etc., qui résistent totalement à la particularité. Elles n'ont pas une conception égalitaire. L'individualisme, comme dit Durkheim, c'est pas l'individu, c'est un esprit social, donc fondé sur l'idée de liberté et d'égalité des individus. Esprit social qui repose sur la sympathie, il n'y a pas encore le concept d'empathie à l'époque, envers autrui. Donc c'est une forme de société et donc qui valorise, qui met au sommet de la hiérarchie des valeurs la liberté individuelle. Donc le sujet, je continue, le sujet singulier, etc., de la parole de la psychanalyse, c'est une forme typique d'individu contemporain. C'est une manière de l'exprimer. Donc, ce que je dis dans la confusion individu-individualisme, c'est quoi une société individualiste? Pour aller un tout petit peu plus loin que ce que j'ai dit, c'est-à-dire fondée sur la liberté et l'égalité des personnes, elle se caractérise, et ça, anthropologue très important sur ce qui a clarifié ces questions-là, c'est l'anthropologue Louis Dumont, l'indianiste Louis Dumont, qui à partir de son travail sur la société de caste indienne, société hiérarchique, a développé une perspective comparative sur l'individualisme contemporain. D'ailleurs, ses essais sur l'individualisme devraient être lus par le psychanalyste. Ça ne serait pas mauvais comme une culture anthropologique d'arrière-plan. Ce que montre Dumont, c'est que la société individualiste, elle se caractérise par la subordination des valeurs d'interdépendance hiérarchique par rapport aux valeurs d'indépendance individuelle. Mmh. Donc ces valeurs d'interdépendance ne disparaissent pas, elles sont subordonnées en valeurs. Ils pensent en termes de hiérarchie des valeurs. Mmh. D'où le fait en même temps que la question du lien social soit posée de façon récurrente dans nos sociétés. Et les questions de santé mentale ont été une occasion, le sont toujours, d'interroger le lien social dans la modernité, etc., à travers le thème du malaise dans la civilisation. Précisément, je pense que c'est lié à ce caractère
anthropologique de la modernité, de subordination des liens d'interdépendance par rapport aux liens d'indépendance, qui donne l'impression parfois que ces liens d'interdépendance disparaissent. Donc l'obligation sociale a tendance à disparaître, alors que l'obligation sociale change aussi. Et donc en fait on change d'habitude. Il y a le philosophe John Dewey disait que l'homme n'est ni un être de raison, ni un être d'instinct, mais un être d'habitude. Et je crois que c'est ce que nous faisons sociologues. Nous étudions les habitudes, leur formation, leur maintien, comment elles changent. Et ce qui se passe autour de la santé mentale est assez révélateur des changements d'habitude de la modernité contemporaine. Je reviendrai sur cette histoire de lien social, voire de l'impression peut-être parfois que ces liens sociaux disparaissent. Mais donc, pour revenir au début de notre entretien, donc tu ne dirais pas une société d'individus. Ça ne me gêne pas, mais il faut apporter des précisions. Société d'individus ne me gêne pas si on comprend derrière ce que je viens de dire, liberté, égalité, subordination des liens d'indépendance par rapport aux liens d'indépendance. Donc ça ne me gêne pas. Maintenant, il faudrait aussi préciser quel type d'individu, c'est-à-dire en fait, je dirais une société d'individus acteurs, dans la mesure où on est rentré avec la généralisation des valeurs de l'autonomie, enfin des valeurs normes, la représentation collective de l'autonomie, dans une société du pouvoir d'agir, qui est encouragée, pas simplement par des idées, des aspirations, mais aussi par toute une série d'institutions, c'est-à-dire on n'est plus dans une société où la régulation des comportements passe par la discipline, comme l'a décrit plus ou moins justement Foucault, mais disons qu'il a raison. Donc dans l'entreprise, par l'obéissance mécanique des ordres du taylorisme et du fordisme, même s'il y a toujours du taylorisme et du fordisme, etc. Mais plutôt une société qui fonctionne à l'autonomie individuelle, avec la revendication du manque d'autonomie, par exemple en entreprise, il y a à la fois l'appel à la responsabilité, à l'initiative, etc. D'un autre côté, le contrôle, le reporting qui est critiqué, le manque d'autonomie, ce qui veut dire que l'autonomie est l'enjeu central dans la gestion des ressources humaines et la question du travail. Donc, je ne sais plus où j'en étais, mais... C'était pour dire qu'individu, il fallait préciser quelle notion... Oui, voilà. Et donc, c'est une société... L'autonomie s'est développée comme une aspiration collective à partir de l'après-Deuxième Guerre mondiale, ce sont les années 60-70, et elle est devenue, à partir des années 80-90, notre condition. C'est ce que j'appelle le passage de l'autonomie aspiration à l'autonomie condition, c'est-à-dire qu'elle est devenue normative, elle est aujourd'hui un impératif. Et c'est sans doute ça l'une des nouveautés des 30, 40, ça dépend aussi. Les États-Unis sont toujours un peu différents de l'Europe, mais en gros, quelques dizaines d'années. Alors j'avais justement une question sur les sociétés occidentales contemporaines. Tu dirais qu'elles sont toutes individualistes ? Ah, les sociétés occidentales, oui, mais il y a des variantes nationales. Toi, tu as beaucoup étudié les États-Unis, la France. Voilà, c'est sur le thème du malaise. Et du déplacement d'intérêt dans la psychanalyse des névroses entre guillemets classiques aux pathologies narcissiques à la limite. Et ce que j'ai voulu montrer en même temps, c'est qu'il y a deux variantes de l'individualisme contemporain entre la France et les États-Unis. Bon, c'est un classique pour les Français, le miroir américain avec la démocratie en Amérique de Tocqueville, qui date de 1830-1835 et qui est toujours un livre admirable. Et donc, moi, ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est que l'autonomie unit les Américains et divise les Français. Pourquoi ? Quelles sont les raisons ? Quelles sont les représentations collectives, etc. Et aux États-Unis, il y a un concept social central qui est le concept self-reliance, c'est-à-dire, non pas reliance, c'est la confiance en soi, mais c'est plus précis ça, c'est la capacité à compter sur soi. Oui. Alors qu'en France, on a plutôt, si la self-reliance et le self est une institution aux États-Unis, en France, on a plutôt le concept d'institution tourne autour de l'État. Comme dit Durkheim, c'est l'État qui arrache l'individu à ses dépendances privées. Bon, un discours qui s'est difficile.
difficilement compréhensible pour un Américain où le rapport à l'État fédéral est justement beaucoup plus ambivalent, très faible développement de l'État-providence, etc., etc., contrairement à l'Europe. Ouais. Voilà. Et donc ça permet de la comparaison, c'est un des outils qui permet aux sociologues de faire apparaître une vérité par contraste. Mm-hmm. Et donc je pense que c'est important de faire apparaître les variations nationales pour des raisons évidentes. Voilà. C'est-à-dire qu'on comprend mieux les choses. Mm-hmm. D'accord. Alors on entend dans les discours actuels l'idée de construction de l'individu et même de déconstruction de l'individu. Comme deux faces d'une même médaille de cet individu. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que l'individu se construit et peut se déconstruire? Sur ces notions très contemporaines. Construire, déconstruire, ça part beaucoup de sens, sauf dans la conjoncture actuelle autour du nouveau féminisme, de la déconstruction, mais ça, je pense que c'est pas cela que tu fais allusion. Ben, évidemment, c'est la question de la socialisation qui est posée. Mm-hmm. Donc, oui, on a un certain type de socialisation qui nous fait ce que nous sommes. Et donc, qui fait l'objet en même temps de séries de tensions, de conflits, etc., que l'on a déjà évoqué. Maintenant, peut-être ce qui est compliqué, c'est de voir la part, au fond, comment ça fonctionne entre le psychologique et le social, le psychologique et le sociologique. On peut aussi rajouter le biologique. Moi, je réponds peut-être un peu simplement qu'au fond, il y a trois natures. Le biologique s'occupe de l'infra-individuel. Le psychologique, c'est le niveau de l'individuel, et le sociologique, entre les sciences sociales, anthropologiques, c'est le niveau supra-individuel. Mm-hmm. Ils sont évidemment tous les trois interconnectés. Comment ? Eh bien, de quoi s'occupe la sociologie ? C'est quoi la nature dont elle s'occupe ? Eh bien, c'est des questions comme qui peut faire des enfants à qui ? Mm-hmm. Voilà. Qu'on peut généraliser à toutes sortes de comportements sociaux. Ce sont les caractéristiques supra-individuelles qui impliquent donc que les relations sociales sont des relations qui sont toujours imprégnées d'idées, de valeurs, de normes, y compris dans notre société libérée d'émancipation de masse, comme aujourd'hui, qui est tout autant une société que la société traditionnelle de caste indienne ou les sociétés du lignage traditionnel d'Afrique subsaharienne. Par exemple, parce que ces trois niveaux s'emboîtent. Et peut-être que la psychanalyse aurait intérêt à voir, au fond, dans quelle mesure ces concepts métapsychologiques n'ont pas un fondement, justement, dans les représentations collectives contemporaines. Et là, il y a justement un psychanalyste et philosophe que je connais, qui fait actuellement un travail extrêmement intéressant, c'est Pierre-Henri Castel. Je trouve qu'il avance de façon très pertinente sur l'articulation entre la psychanalyse et le social, pour les traiter dans une perspective héliacienne, mais j'approuve totalement, et je pense qu'on est de ce point de vue-là assez complémentaires. Dans une relecture de Norbert Elias. Oui, dans une lecture d'un usage de Norbert Elias. Moi, c'est plutôt. Enfin, je suis aussi influencé par Elias, mais Durkheim et Marcel Mauss particulièrement m'ont beaucoup aidé, notamment pour la santé mentale. J'ai trouvé l'idée grâce à un article de Marcel Mauss qui s'appelle L'expression obligatoire des sentiments, qui est sur les rituels de deuil. Et donc, il explique en quoi les cris, etc., c'est un langage. Bon. Et je me suis appuyé sur ça pour me parler des questions de santé mentale et de souffrance psychique comme une expression obligatoire des sentiments. D'accord. Obligatoire non pas au sens de contraint, mais au sens d'attendu collectivement. Alors, il y a un certain nombre de discours actuels qui présentent la société comme favorisant une déliaison sociale. Alors, on pourrait presque parler de société asociale, ce qui paraît peut-être contradictoire dans les termes. Qu'est-ce que tu penses de ce type de discours ?
type d'affirmation. En fait, il s'inscrit dans une tradition, c'est-à-dire le thème de la déliaison sociale, c'est un thème qui est récurrent. Il est d'ailleurs déjà noté par Tocqueville, mais de manière sociologique, je dirais, à savoir que quand il dit que l'individualisme, ça risque d'entraîner l'homme à se refermer dans son propre corps, dans son propre cœur, dans sa famille, etc. Et il dit qu'il faut multiplier pour les citoyens les occasions d'agir ensemble. D'une certaine manière, je l'interprète rapidement, ce qu'il dit, c'est que, au fond, l'individualisme implique une certaine dissolution sociale, mais en même temps, c'est une maladie naturelle au corps social sur laquelle on peut agir. À partir de la fin du 19e siècle, début du 20e, on voit aussi cette thématique ressurgir, évidemment, sous forme de discours de l'affaiblissement du lien social, avec l'industrialisation, etc., etc. Et il y a notamment une conférence de Durkheim de 1906 dans la Société de philosophie où il dit on entend beaucoup de bruit autour de l'affaiblissement du lien social, enfin il n'utilise pas le terme affaiblissement, mais c'est ça qu'il veut dire, ou de la dissolution sociale, et il dit on confond affaiblissement et le fait que l'obligation sociale, le lien social se modifie. Mais bon, donc on a aujourd'hui ce type de discours qui est évidemment renforcé par le fait que l'autonomie est devenue normative. Oui. Alors justement, oui, sur l'autonomie, est-ce que moi j'ai l'impression, pour comprendre un peu tes concepts, que cette injonction, cette valeur, cette norme de l'autonomie, ça me paraît faire un lien, une articulation entre la santé mentale et la société individualiste. Oui. C'est-à-dire en fait, un individu en bonne santé mentale est un individu autonome. Enfin, je fais peut-être trop vite. Je dirais qu'il y a une polarité souffrance qui chie bien-être. Oui. Alors, qui recoupe évidemment aussi l'autonomie, mais peut-être. Pas seulement. Oui, l'autonomie, ça je pense qu'on l'a déjà évoqué dans notre conversation. Les questions de santé mentale sont nouées à la généralisation des représentations collectives de l'autonomie, dans la mesure où l'autonomie met en avant la subjectivité individuelle, la liberté de choisir, donc la capacité aussi à décider, à s'engager sur l'avenir, etc., etc. Donc c'est à la fois une série d'opportunités, mais en même temps des contingences. Et je dirais, dans cette situation de l'autonomie, condition, je dirais la santé mentale, il ne faut pas la traiter comme une question de santé, mais plutôt une question d'institution. C'est un langage pour les désordres de la personne en tant que personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que personne, ce sont des désordres de la socialisation. La dépression, l'angoisse, etc. sont liés à des relations sociales ou à la socialité de l'individu. Alors bien entendu, un cancer peut affecter votre situation, etc. Mais ce n'est pas une caractéristique de la maladie, c'est une conséquence. Alors que c'est au cœur plutôt du trouble mental. Oui, oui. Donc, oui, ça permet de... Au fond, je dirais qu'il faut penser en termes d'action-passion, à des manières d'agir en société imprégnées par l'autonomie, correspondent des manières de subir en société qui s'expriment en termes de santé mentale. D'accord. Alors, je voulais te proposer une lecture sociologique, ta lecture sociologique d'une intervention de Lacan à France Culture en 1973, où il donnait à la psychanalyse la définition et la place suivante, peut-être, dans la société. L'analyse, c'est le poumon artificiel pour que l'histoire continue. Bon, c'est un peu obscur. Ça va être prétentieux, obscur, prétentieux, parce que le poumon de l'histoire, sans la psychanalyse, il n'y a plus d'histoire. Et c'est obscur parce qu'on ne sait pas s'il s'agit de l'histoire des sociétés, ou l'histoire collective, ou l'histoire individuelle, dont s'occupe la pratique psychanalytique. Alors, sur ce que fait la psychanalyse,
Et sa place dans la société, je ferais par rapport à Lacan, si vous permettez l'expression, un retour à Freud, à savoir qu'il y a, je voudrais citer une phrase de Freud sur la guérison psychanalytique, qui me semble représentative de ce que fait la psychanalyse, c'est dans Le Moi et le Ça, qui date je crois de 1923, où il dit la guérison, c'est la liberté de se décider pour ceci ou pour cela. Mm-hmm. Et ça renvoie, je pense, à la place que la psychanalyse a occupée, et peut-être occupe encore, en tout cas dans certaines sociétés occidentales, notamment la société française, c'est-à-dire c'est une pratique pour refaire son être moral dans les sociétés individualistes. C'est-à-dire c'est à la fois la psychanalyse et les pratiques qui l'ont inspiré, mais aussi les pratiques comportementales et cognitives. On a là, avec ces deux ensembles psychothérapeutiques, les deux grandes manières, à la fois de refaire notre être moral dans nos sociétés, mais aussi de réguler les comportements. En quoi c'est pas simplement quelque chose de privé, mais ça agit sur l'atmosphère publique, quelque sorte de nos sociétés. Mais ce que je dirais, c'est que, sans vouloir faire de hiérarchie de valeurs entre psychanalyse et approche des sciences cognitives aujourd'hui associées aux neurosciences, c'est que les pratiques inspirées par la psychanalyse sont des pratiques du discernement. Mm-hmm. Elles transforment des passions, les symptômes qui nous affectent, en questions, mm-hmm. puisque le symptôme parle, mm-hmm. et les questions en action, c'est la liberté de se décider pour ceci et pour cela, alors que les pratiques de type comportemental ou cognitiviste, on appelle à l'exercice, mm-hmm. des formes d'entraînement, et donc transforme les symptômes par l'exercice en, mm-hmm. En action. Donc on peut les voir aussi comme, pas simplement comme deux formes qui s'opposent frontalement, mais comme deux formes complémentaires. On voit par exemple, je pense, dans la réhabilitation psychosociale en psychiatrie, qui est essentiellement d'inspiration cognitiviste, mais qui n'est pas du tout contradictoire de prise en charge de type psychodynamique inspirée par la psychanalyse. D'ailleurs, j'ai lu un certain nombre de papiers dans des journaux psychiatriques sur psychothérapie institutionnelle et réhabilitation psychosociale, par exemple, ou remédiation cognitive. Mm-hmm. Ça dépend des contextes, des circonstances, etc. Mais certainement, il ne faut pas négliger la dimension d'exercice dans la vie sociale, qui n'est pas du tout, évidemment, le modèle de la psychanalyse. Alors, pour conclure notre entretien, je voulais te demander si tu veux nous dire quelques mots de ton prochain livre. Donc, je sais que tu travailles sur la prise en charge des enfants dans le champ psy. Est-ce que comment ce nouveau travail approfondit, par exemple, les thèmes dont tu viens de nous parler, ou les transforme? Oui, je vais en dire un mot, parce que là, je tourne un peu en rond ces derniers temps, c'est-à-dire j'ai un cadre de grandes idées, mais comment développer à partir de matériaux. Alors, ce qui m'intéresse, c'est puisque j'ai travaillé, en fait, implicitement sur l'adulte dans tous les bouquins que j'ai publiés, donc ça m'intéresse de voir... d'analyser, de décrire l'enfant à problème, la santé mentale des enfants ou les troubles mentaux à l'âge de l'autonomie normative en prenant une perspective historique. Et notamment le fait que je pense qu'au fond, c'est l'enfant individu qui m'intéresse et ses troubles. Il y a au moins deux phases après la Deuxième Guerre mondiale, que je voudrais creuser, une phase où l'enfant devient un individu expressif. Mm-hmm. On sort, disons, du thème, ce qui en gros a été le siècle précédent, c'est l'enfant individu déficient, et on va passer progressivement à l'enfant individu acteur, notamment symbolisé par la Convention internationale des droits de l'enfant, mm-hmm. c'est-à-dire que l'enfant n'a pas simplement le droit de protection, mais il a des droits liberté. Mm-hmm. Et donc, qu'est-ce qui se passe du côté des prises en charge de l'enfant, du repérage des troubles, et en même temps voir l'ascension des neurosciences dans cette deuxième phase qui correspond justement à l'autonomie normative. Mais voilà, très grossièrement, tout ça est vraiment à creuser et à préciser. Bon, donc on te libère pour que tu puisses continuer à travailler, et je te remercie encore. Merci Alain. Merci.